ne suis pas totalement déçue des résultats du contrôle de la semaine dernière. Certains ont eu de la chance. 71%. Yes, oh, je suis un petit génie. Et pour d'autres, ça n'était pas vraiment votre journée. Quoi? Excusez-moi, madame. Cette note est incompréhensible. 33% de réussite, je n'ai jamais de mauvaise note. Où est-ce que tu veux en venir? Je me disais que peut-être vous auriez mal compté les points, je ne sais pas. Non, non, c'est impossible. Est-ce que je peux au moins repasser le contrôle? Non. Pourquoi? Parce que ça ne serait pas juste pour les autres. Oh, oh, mais madame, ça ne tient pas comme excuse. Soyez raisonnable. Tu es sur une pente glissante. Je te conseille vivement de te calmer. Que je me calme? Est-ce que ça va changer ma note? Passe à autre chose. Je ne passerai pas à autre chose. Quoi, Simon a pris 2 heures de colle? Mais la tête que va faire Dave quand il va apprendre la nouvelle? Tu sais quoi? Il faut qu'on filme la scène. Ok, Théodore, zoom encore. C'est pas mal. Ouais, encore un peu. Voilà, parfait. Vous avez sous les yeux un jeune élève dont les notes viennent de chuter brutalement. Hier encore, petit génie, aujourd'hui, élève qui galère comme les autres pour avoir simplement la moyenne. Je peux savoir ce que tu fabriques? J'étais en un documentaire sur ton passage de génial à personne normale pas très intéressante. Alors, tu la joues naturelle, oublie qu'on est là, et oh, 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 Dave revient. Voici le moment que nous attendions tous. Dave, Simon a quelque chose de très important à te dire. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai 2 heures de colle. Quoi? Simon est collé 2 heures. Prochaine étape, expulsion. Attention, attention, attention. Gros plan sur Dave. Quelque chose ne va pas, mon grand. Non, mais attends, attends, quoi, couper. Non, alors on va reprendre au moment où Dave sort de la voiture. Dave, retourne à la voiture, on va la refaire. Ensuite, je veux que tu sois naturel. Tu vois le topo, tu rentres chez toi, tout va bien, tu ne te doutes de rien. Je veux que tu oublies la caméra. Et là, quand Simon t'annonce qu'il est devenu délinquant, tu pètes les plombs. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. J'ai l'impression que mon intelligence a été balayée d'un... tu sais, cette expression, balayée d'un... Oh, j'en oublie même mes expressions idiomatiques. Nickelodeon Junior en exclusivité sur Canal et Numéricable.